Alors, la forme. Bonjour, bonjour. Madame, cachez-nous quelques mots, non, madame. Hein? Cachez-nous quelques mots. On n'a pas gagné, on n'a pas commencé. Alors, c'est vrai que vous commencez, madame, mais vous connaissez, vous êtes avocat à peuple, tout le monde comme ça, et maintenant, là, vous venez dans le forum sur sécurité. Dis-nous, comment vous avez l'initiative ça? Bon, c'est une initiative haïtienne. C'est un dialogue inter-haïtien. Et je crois que tout leader politique, leader société civile, citoyen haïtien, a une responsabilité pour encourager l'initiative haïtienne. Et moi, j'espère que tout leader politique, parce que tout invité, tout leader société civile, moi, j'espère que tout a bien participé. Parce que nous faisons pour nous encourager l'initiative haïtienne, pour nous suspendre, cracher sur ce qu'a fait dans le pays, pour nous prioriser ce qu'a fait de l'autre côté. Et c'est ça le sens de notre participation. Qui attend aujourd'hui? Bon, je m'attends à un débat de fond, un débat de qualité sur la question sécuritaire, un débat de fond sur les mesures sociales. Apprendre pour accompagner la population qui traverse une situation difficile. Je m'attends à un débat de qualité sur la réforme constitutionnelle. Les points doivent être débattus dans le cadre de cette réforme. Un débat de qualité sur la meilleure manière de réussir un processus électoral démocratique. En parlant de l'élection, est-ce que vous avez un pour seul candidat pour l'élection rapide là? Attendez, vous êtes venu. Si quelqu'un demande pour moi, il est de la presse, ok, il y a de monde qui est presse en ligne, qui va gagner forcément badge. Ok, tu m'appelles. Alors, maintenant nous aussi dans nos SDP, parce qu'il y a des collègues qui t'a dit SDP écrasé. Le SDP est éternel.
Bir akşam timi olacaktı. Sonra ne boyunca çalışıyorsun?